toujours à nous donner un travail, mais une société aussi puissante qu'est la nôtre peut donner l'éducation à tous les enfants. Elle peut apprendre à chaque homme à tirer la meilleure partie de toutes ses facultés, de son corps, de son esprit, de son âme, et les placer ainsi à l'entrée de la vie d'adulte en disant « Tu marcheras en avant, tu es armé comme un homme, tu souffriras, c'est la destinée humaine, mais au moins tu pourras travailler. » Chers parents, sans éducation, je reste vivant. Sans éducation, je ne peux pas communiquer. Sans éducation, je ne serai pas utile à la société. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Ne détruisons pas ce que nous avons construit ensemble. Fungurume est pour nous tous. Je me présente. Chers parents, chers enseignants, chers invités, je réponds au nom des Kabangé Numbi-Bendis, l'enfant de papa Étienne et maman Adèle. Je suis né à Lubumbashi le 19 septembre 2011. Ma province d'origine, c'est Olomami. Mon territoire d'origine, c'est Manipankulu. Mon village d'origine, c'est Kabishi. Temporairement, je suis à Fungurume, élève de la 5e année au Best College. Je suis monsieur l'instituteur. Le directeur Bazal Henri et son meilleur qui a parti les gens. Je prépare pour vous une explication intitulée Le bienfait de l'école. Voulez-vous que je la récite? Oui, nous les voulons. Alors suivez. Le bienfait de l'école. Les écoles sont le salut de la société. On peut donner à tous les hommes la richesse. On peut donner toujours à l'ouvrier le travail. Mais une société aussi puissante que la nôtre peut donner l'éducation à tous les enfants. Elle peut apprendre à chaque homme à tirer le meilleur parti de toutes ses facultés, de son corps, de son esprit, de son âme, et les placer ainsi à l'entrée de la vie d'adulte en disant « Tu marcheras en avant, tu es armé comme un homme, tu souffriras, c'est la destinée humaine, mais au moins tu pourras travailler. » Chers parents, sans éducation, je ne peux pas communiquer. Sans éducation, je reste ignorant. Sans éducation, je ne serai pas utile à la société. L'éducation est l'arme la plus puissante au monde, est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Ne détruisez pas ce que vous avez construit ensemble. Fungurume est pour nous tous. Bonne chance à tous. Merci. Mais au moins tu pourras travailler. Chers parents, sans éducation, je ne peux pas communiquer. Sans éducation, je reste ignorant. Sans éducation, je reste inutile à la société. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer les mondes. Ne détruisez pas ce que vous avez construit ensemble pour nous-mêmes et pour nous tous. Mes chers invités, je réponds au nom d'Agassia Mumbashi, l'enfant de papa des fées et maman Awa. Je suis né à Fungurume le 22 février 2012. Ma province d'origine, c'est Lualaba. Mon territoire d'origine, c'est Kapanga. Mon village d'origine, c'est Musumba. Temporairement, je suis à Fungurume, élève de la 5e année à Obès College. C'est monsieur l'instituteur Kalabo Niklas, dirigé par monsieur le directeur Kajat Henri et son dernier Papoule Jean-Louis. J'ai préparé pour vous une récitation intitulée « Les bienfaits de l'école ». Voulez-vous que je la récite? Oui, nous les voulons. Alors suivez. Les bienfaits de l'école. Les écoles sont les saluts de la société. On peut donner à tous les hommes la richesse. On peut donner toujours à l'ouvrier un travail. Mais une société aussi puissante que la nôtre peut donner l'éducation à tous les enfants. Elle peut apprendre à chaque homme à tirer les meilleures parties de toutes ses facultés, de son corps, de son esprit, de son âme, et les placer ainsi à la fin de la vie d'adulte en disant « Tu marcheras en avant, tu es armé comme un homme, tu souffriras, c'est la destinée humaine, mais au moins tu pourras travailler. »